Ce fut un vif succès pour la campagne d'achat local édition 2024, propulsée par Hello, Développement Vaudreuil-Soulanges et la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges. En moins de 7 jours, les 550 cartes ont été vendues comme des petits pains chauds, contribuant ainsi à la vitalité économique de la région pour la période des fêtes. C'est sur la télé a rencontré Edwige Bouillé, commissaire au développement commercial du DEV, pour en connaître les objectifs. Une fois de plus cette année, une partie importante de notre campagne des fêtes est réservée à des initiatives de visibilité et de notoriété à différents niveaux. Mais l'objectif premier sur le territoire, quel est-il? L'objectif premier, en fait, c'est d'aller justement encourager l'achat local auprès de nos consommateurs. En fait, avec la carte d'achat local et la bonification, on espère en fait toucher environ 150 000 $ de retombées économiques sur la région, en fait, auprès de nos commerçants. On est très content. Dans les dernières années, le mouvement Achat local Vaudreuil-Soulanges et ses différentes campagnes de promotion et de rayonnement ont vraiment gagné en notoriété. Il y a de plus en plus de commerces, d'organismes régionaux, de municipalités qui se collent à la campagne, puis il y a un réel engouement derrière ça, on le sent. Pour amener la campagne à un niveau supérieur, DEV et la CCIVS ont invité des partenaires locaux ambassadeur de l'achat local a joint le projet pour maximiser les retombées dans la région. La Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, Fleury Michon Amérique, la Ville de Vaudreuil-Dorion, Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, Marilyn Picard, députée de Soulanges et Peter Schefke, députée de Vaudreuil-Soulanges. Ces belles annonces de DEV et de la CCIVS arrivent à un moment clé pour nous, les commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Depuis maintenant près d'un an, la situation de la mobilité dans la région a un impact direct sur les opérations des commerces de la région. En plus, on le sait, dans la région, on a nos défis en termes de mobilité. Donc, cela vient vraiment donner un bon coup de pouce, je pense, auprès de nos commerçants, mais aussi auprès de nos citoyens de pouvoir augmenter leur budget des fêtes de Noël. Ce qu'on oublie des fois, c'est que l'achat local, c'est une forme d'accroissement de la qualité de vie. Alors, on sent que c'est quelque chose qui enrichit et qui renforcit le tissu social qu'on en a dans les régions ici avec ça. Vous pouvez vous rendre sur le site web d'achat local, vs.com. Et sinon, pour toute information, vous pouvez communiquer avec Développement Vaudreuil-Soulanges auprès de moi ou de ma collègue Stéphanie Lacroix au niveau de chargée de projet d'achat local. À noter que même si la campagne de bonification est terminée, il est possible d'obtenir une carte cadeau locale tout au long de l'année, utilisable dans plus de 150 commerces.